Oui, y a quelqu'un. Ouvrez, vous n'avez rien à craindre. Par les démons, qui ont-ils amené? Que voulez-vous? J'ai besoin de votre aide. Ouh, un homme? Non, un loup, gris bien qu'encore jeune. C'est lui que le chaman attend. Vous m'attendiez, moi. Ida, les ossements l'avaient prédit. Ils viendront, puant la mort et le viol. Mais le loup les dispersera. Le loup blanc. Et le voici. Les augures ne mentent jamais. Vous reconnaissez ceci? Bois d'épicéa, forte odeur de genévrier. C'est fait pour protéger quelqu'un? Épicé à couper de frais, arrosé de sang de chèvre, puis fumé à l'encens d'humus et de genévrier. Pour Anna, pour la protéger. C'est vous qui avez fait l'amulette? Ah, le chaman, bien sûr. À la façon des ancêtres, au-dessus d'une eau calme, au clair de lune. Aussi efficace qu'une amulette peut l'être. Bonne protection. Elle n'aurait jamais dû l'ôter. Conçue pour la protéger, donc. De quoi? Ah, la pauvresse. Assiégée, elle était. Le mal tout autour, prêt à la posséder. Une vieille magie née de l'oubli. Des sources obscures ont émergé. Une vieille magie? Vous pouvez préciser? Il ne faut pas en parler. Pas y toucher. Un pauvre petit charme de protection. Tout ce dont un chaman est capable. Anna et sa fille ont disparu. Savez-vous où elles sont? Non. Non et non. Le chaman ne sait pas. Mais les esprits, eux, ils savent. Le chaman consultera les augures, les esprits l'exigent. Les esprits... Génial. Du moment qu'ils me disent où chercher, ça me va. Perdu, perdu. Faut retrouver... Princesse. Pour trouver rien de mieux que princesse. Princesse? Quelle princesse? Princesse, ma chèvre! Elle a filé! Ces types ont dû l'effaroucher. Pouvons-nous en revenir aux augures? Sans la chèvre? Impossible! Pas de princesse? Aucune chance! Moi? Courir après une chèvre? Vous plaisantez? Un chaman sans chèvre, c'est un prophète muet. Vous me tapez sur les nerfs, l'ancêtre. Je n'irai nulle part. Pas de princesse, pas de prophétie, pas d'augure. Sorceleur, retrouverez-vous ma princesse? Le chaman consultera les augures pour vous dès qu'elle sera de retour. Très bien, je trouverai votre biquette. La clarine. Le tintement de la clarine. Elle adore. Carillonnez et elle suivra. Un moment. Mais attention aux murs et aux framboises. Oui, de vrais monstres assoiffés de sang. J'ouvrirai l'œil.
ici, je crois. C'est tout ce que tu sais faire, saleté. Voilà. Et Biquette, je veux dire, princesse. Avec un nom pareil, pas étonnant qu'elle soit capricieuse. Très bien. Sonnons la clarine. Bien. Allons voir le chaman. J'aurais dû m'en douter. Qu'est-ce qu'un sorceleur à côté d'un mûrier ? Il faut vraiment que j'agite cette clarine pour que tu suives. Allez, viens, bon sang. Où te caches-tu ? Un ours! Allez, cours, sale bête! Vraiment que j'agite cette clarine pour que tu suives. Tu ne remplaceras jamais Ablette, mais je parie qu'on pourrait devenir potes tous les deux. Tu possèdes cette qualité essentielle que toute Ablette se doit d'avoir. Tu parles peu. Princesse, ne t'éloigne plus de ton vieux chaman. Il y a...
une chèvre à moi. Gentille, douce, Biquette. Content pour vous, mais je suis assez pressé. Anna et Tamara, elles sont peut-être en danger. Le loup blanc a aidé le chaman. Alors le chaman va l'aider. Du sang. Il faut du sang. D'une créature vivante. Très bien. Je reviens. Ça ira. Qui ne vit pas, mais qui n'est pas mort. C'est fini, déjà? C'est fini. Les esprits n'avaient rien d'autre à dire. Où elles étaient, où elles sont passées. Vous avez eu vos augures. Elles sont parties. Seul reste l'enfant. Vous parliez d'un enfant. De qui? Mais celui d'Anna, voyons. Anna était enceinte. Oui, Da. Et elle a fait une fausse couche. Tiens, le baron n'en a pas parlé. La peur, peut-être. La honte, ou l'oubli. Ou alors un souvenir caché, refoulé. Anna vous a raconté tout ça? Elle est venue après? Non, pas Anna. Les augures m'ont tout dit. Une source sûre, formidable. Les augures se nourrissent de foi. C'est celui qui a besoin d'augures qui trace le sillon vers la vérité. Le baron a quelque chose à voir avec la fausse couche de sa femme. Il a un sale caractère et un penchant pour la bouteille. Ce qui ne doit pas améliorer son caractère. A-t-il abusé de sa famille? Anna est venue vous voir. Vous l'auriez forcément remarqué. Le chaman est vieux, presque aveugle. Mais Princesse lui a léché la main. Et alors? C'est une bête sage qui n'approche que ceux qui souffrent. Qu'est devenu l'enfant? Jeté dans une tombe, sans rite ni cérémonie. Il s'éveilla. Il erre désormais assoiffé de vengeance. Un couvain. Loup blanc, loup sage, attrape le couvain. Le couvain aidera. Il guidera le loup jusqu'aux êtres aimés. Les couvains sucent le sang des femmes enceintes et dévorent les fœtus. Ils n'aident en rien. Ils sont maudits. Et les sorceleurs lèvent les malédictions. Si le loup blanc n'y arrive pas, qu'il rapporte son sang. Le sang sait retrouver ceux qui le partagent. Pourquoi voulez-vous son sang? Le sang. Le sang. De tout temps. Il aveugle les hommes. Vivant comme mort. D'accord. Mais qu'en ferez-vous? Il arrive qu'un siècle ne suffise pas à deux frères pour se réconcilier. L'un meurt avant que tout rentre dans l'ordre.
Alors l'autre apporte son sang au chaman. Et que fait le chaman ? Il attend la veillée des ancêtres. Il mêle le sang à du lait, des herbes, une patte de poule. Puis, il boit pour réconcilier morts et vivants. Il n'y aura pas de veillée cette année. Mais qu'importe, on se débrouillera. J'ai entendu dire qu'un sorceleur avait levé la malédiction d'un couvain. Moi, je n'ai jamais essayé. Je sais qu'il faut l'enterrer sous le seuil. Et lui donner un nom. Accomplir l'Emroin. Le baptême. C'est un rituel elfe, je me trompe. Humain, elfe, nain, ancien. Les esprits n'ont pas de race. Ils n'honorent pas ce concept. Gagnez les faveurs d'un esprit et il vous aidera. Demandez, il répondra. Cherchez, il montrera la voie. J'ai bien entendu. La veillée des ancêtres, c'est une très vieille coutume. Je la croyais disparue. Par ici, la mort rôde dans la vase et l'eau croupit. On sait qu'elle peut frapper avant qu'on ait réglé ses affaires terrestres. Alors, on vient me voir si on veut connaître la paix. La veillée des ancêtres doit s'accomplir. Allumez les bougies de suif pour les guider dans le noir. Les appeler par leur nom. Apaiser leurs regrets. Il faut tout ça pour qu'ils partent en paix. Quoi que je fasse, cela commence par trouver le couvain. Cherchez-le à minuit, près de la tombe laissée vide. Si vous dites vrai, le baron doit savoir où est cette tombe. La foudre a frappé.
Oswin. Où est Oswin? Quelqu'un l'a vu? Je crois que je l'ai vu près de l'écurie. Hein? Au feu! Vous êtes aveugle? Personne ne va l'éteindre? Pas si simple. Les gars ont peur. Quand le baron est en crise, il fait pas de quartier. Mon frère est dans l'écurie. Faut aller le chercher, il va brûler vif. Et les chevaux avec. Je vais voir ce que je peux faire. Grouillez-vous, ça urge. Ah! 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 Oswin, quelqu'un l'a vu? Quoi? Hein? Oh, passe. Je vais voir. Grouille. Mérité un tonneau de vin de Lyria. Je sais qu'Anna a fait une fausse couche. C'était avant ou après la raclée. Mais qu'est-ce que vous insinuez? Ne me prenez pas pour un idiot. Vous les cogniez depuis des années. Un jour, elles en ont eu assez et sont parties. Je me trompe? Elles ont filé, hein?
Il faut qu'on parle. Asseyez-vous. Vous les avez frappés. Jamais je n'ai levé le petit doigt sur Tamara. Jamais. Et sur Anna ? C'est une autre histoire. Elle a toujours su comment me pousser à bout. Anna, comment s'y prenait-elle pour vous pousser à bout ? Trop de sel dans la soupe, pas d'ail dans le gigot. 20 ans de vie commune. Elle m'a connu sobre et rond comme une queue de pelle. Elle m'a accueilli au lendemain des victoires, recousu au lendemain des défaites. Mieux que quiconque, elle savait où appuyer, où toucher le point sensible. Vous la battiez parce qu'elle vous critiquait ? Mais bon sang, sorceleur, vous ne comprenez rien à rien ! Je vous expliquerai peut-être. Un de ces jours, mais pas aujourd'hui. Je suis censé croire à votre amour paternel envers Tamara, après l'esclandre dans la cour. Vous pensez ce que vous voudrez, mais elle a toujours été la prunelle de mes yeux. Elle était libre comme l'air, demandait à mes gens. Elle montait à cheval, chassait avec les gars, les accompagnait lors des rondes. Et c'est elle qu'on prévenait lors de mes crises, car elle seule savait me calmer. À vous entendre, elle menait une vie de rêve. Pourquoi s'enfuir dans ce cas ? Ben, si je le savais, je n'aurais pas besoin de vous. Vous saviez depuis le début qu'elles avaient filé ? Oui, je le savais. Pourquoi me le cacher ? Me faire perdre mon temps ? Si je l'avais fait, si j'avais avoué que je n'exerçais plus aucun contrôle sur ma femme et ma fille, qu'auriez-vous pensé de moi ? Décrivez-moi tout ce qui s'est passé le jour de leur départ. Sans mentir, cette fois. Cela faisait 3 jours que je me saoulais. Anna est venue me voir, m'a annoncé qu'elle partait. Je l'ai suppliée. Elle n'a rien voulu entendre. J'ai tenté de la retenir. Elle se débattait comme une anguille. On a lutté. Et elle est tombée. C'est mon dernier souvenir. Le lendemain matin, je me suis éveillé, le froc souillé de pisse, avec une grosse bosse sur le crâne. Elles avaient disparu. Vous imaginez, sorceleur ? Non, comment diable pourriez-vous ? Je n'avais plus rien, rien que la bouteille. Les signes de lutte dans la pièce. Le trou dans le mur, le vin répandu sur le palier. C'était vous ? Oui, on s'est disputé. Elle a essayé de m'estourbir avec un chandelier, elle a raté son coup. Elle a touché le mur et le pilier à la place. J'ai trébuché en arrière, renversant le vin qui était sur la table. J'ai glissé dessus, et je suis tombé. Anna en a profité pour s'enfuir. Elle s'est précipitée vers les escaliers, ce foutu chandelier encore en main. Je l'ai rattrapée sur le palier. On est tombé. Je croyais la tenir, mais c'est là qu'elle s'est retournée pour m'assommer. J'ai perdu connaissance. J'ignore ce qui s'est passé ensuite. Quand je suis revenu à moi, j'étais seul. Tamara était présente ? Elle a assisté à la dispute ? Peut-être depuis le seuil. Elle n'est pas entrée dans la pièce.
Quelle honte. Les choses auraient pu tourner différemment. Le simple fait de l'avoir suffisait toujours à m'apaiser. Qu'est-il arrivé ensuite ? Ensuite, ça n'a fait qu'empirer. Je me suis éveillé au crépuscule, sans savoir combien de jours s'étaient écoulés. J'ai cru à un foutu cauchemar d'ivrogne. Et puis je suis allé à la chambre. Anna n'y était pas. À la place, il y avait du sang partout. Alors j'ai compris. Elle avait fait une fausse couche. La gorge nouée, je me suis approché du lit. Et là, je l'ai vue. Elle gisait là. Petite chose, sans défense. Sur des draps tachés de sang. Morte. Par ma faute. Je vois souvent la mort de près. Et ça a dû être terrible. Inimaginable. Mes jambes m'ont trahi. J'ai vu des monceaux de cadavres à Sedan, des sorcières brûlées à Maribor, mais face à pareil spectacle, la carapace du plus endurci ne vaut pas un pet de lapin. Et tout est de ma faute. Nous n'avons aucune certitude. L'amulette qu'Anna portait a peut-être un rapport avec cette histoire. Ou peut-être est-ce le fait qu'elle l'ait perdue. Qu'avez-vous fait du bébé ? Je l'ai enveloppé dans un linge propre et je l'ai enterré. C'est tout ? Foutre Dieu, je n'avais pas la tête à des funérailles. Je voulais que cette horreur cesse. J'avais rêvé de cet enfant. Je m'en étais ouvert à Anna. Un bébé, notre bébé, pour que tout rentre dans l'ordre. Mais elle est morte avant de naître. Vous comprenez, sorceleur. Mon enfant était mort. Je compatis. Sincèrement. Merci. J'espère que vous trouverez Ciri, sachez-le. Selon notre accord, je dois d'abord trouver Tamara et Anna. Votre enfant mort-né peut justement nous aider en ce sens. Quoi ? Comment ? Sans sépulture décente, les fœtus issus d'une fausse couche produisent parfois un couvain. Un quoi ? Une créature maudite qui se renforce en tuant les femmes enceintes. Une fois assez forte, elle s'en prend à ses bourreaux. Mais comment sait-elle ? Le lien du sang. Un lien puissant que je compte exploiter pour trouver votre famille. Comment ? Il existe deux manières. Selon la légende, enterrer un couvain sous le sol du foyer familial, puis accomplir un rituel, le transforme en sommeillard. C'est une sorte de... d'esprit gardien qui peut me conduire à votre famille. Et l'autre moyen ? Le tuer et prélever son sang. Le chaman fera le reste. Ne tuez pas mon enfant. Elle a déjà assez souffert. Levez la malédiction. Qu'elle repose en paix. Quoi que nous fassions, cela commence par trouver le couvain. Je vous montrerai où elle est inhumée. Puis je creuserai une tombe sur mon seuil. Si nous n'arrivons pas à transformer le couvain en sommeillard, on pourra toujours nous y enterrer. Très commode. Plus vite nous agissons, mieux ce sera. Cette nuit même, à minuit. Très bien, attendons ici. Peu avant minuit, je vous conduirai à sa sépulture. Prévenez vos gens qu'ils restent chez eux cette nuit et tracent une ligne de sel sur leur seuil. Et tâchez de dessouler. Je dois amener une pelle pour creuser la tombe. Prenez-la,
Vous en aurez besoin, mais pas pour ça. C'est un peu plus loin. Suivez-moi. Vous avez donné un nom à l'enfant ? Non. Pourquoi on aurait... Grave erreur. Le nom est un sceau puissant. Voilà l'endroit. Quel coin charmant. C'est fini, oui. Je sais que j'ai tout fait de travers. Bien. La tombe est éventrée et vide. Ce qui signifie que le couvain est lâché. Regardez. Prenez-le dans vos bras, vite. Et s'il se fâche, il peut nous mordre le cul en moins de deux. Continuez à crier si vous voulez l'exciter. Pour l'instant, il est calme. Foutre Dieu! Ça donne quoi quand il s'énerve pour de bon? Il vous saute à la gorge et vous saigne à mort. Restez concentré et prévenez-moi s'il s'agite. Vous le calmez par magie. Allez-y, prenez-le dans vos bras. Dieu Tout-Puissant. Retournons à la forteresse. Quoi ? Avec ça ? Je vous signale que c'est vous qui souhaitiez mettre nos vieilles légendes à l'épreuve et en faire un sommeillard. Mais merde ! L'odeur du couvain les attire. Par la tour de ma mère. Montre-moi ce que t'as fait. Demain, ce sera un sommeillard. Il veillera désormais sur votre maisonnée et m'aidera à retrouver votre famille. Notre arrive. Il faut...
faut faire vite. Vous avez choisi un nom ? Non. Trouvez-en un, c'est important. C'est une fille. Quel nom lui aurait donné un nom ? Baptise, là vous dites son nom, et fais de toi ma fille. Je te baptise, Déa, et fais de toi ma fille. Bien, enterrez le corps. Sera devenu un sommeillard. Je vais attendre ici. Rentrez chez vous. Je reste avec vous. Pas question. Mais c'est mon enfant. C'est moi qui suis responsable, qui suis coupable. Il est trop tard pour vous conduire en père. Il n'y a rien d'autre que vous puissiez faire à présent. Mais... Il n'y a pas de mais qui tienne. Je suis sorceleur et j'ai un travail à terminer. Je dois attendre un jour et une nuit que le couvain devienne un sommeillard. Point final. Rentrez chez vous. Et tâchez de ne plus vous saouler.